Merci. Oh, bon sang. Oh, il est en pleine détresse respiratoire. Trouvez-moi un stylo ou quelque chose. Il faut que je lui perce la trachée pour le faire respirer. Je crois qu'un corps étranger bloque sa respiration. Ok. Et vous êtes qui? Marc. Marc, je suis docteur. Docteur en jeux vidéo. Ok. Bonjour les petits amis, aujourd'hui je vous ramène en 2005, une année où les amateurs de consoles portables ont été pourris gâtés avec ni plus ni moins que la sortie de la DS de Nintendo et de la PSP de Sony. Rien que ça. Il y a un problème, il avait là comme une grosseur ici. Oh bon sang, c'est cette console portable, elle lui a sauvé la vie. Mais il y a un problème, cette console n'existe pas encore. Et oui, il a raison, le docteur Cus. La 3DS ne sortira que 6 ans plus tard. C'est toute la magie de la série Lost qui, comme le rétro Game One, voyage dans le temps. Mario Kart DS, lui aussi, voyage très bien dans le temps. Et aujourd'hui encore, il n'a pas pris une ride, le bougre. Vous avez sous les yeux le Warcraft ou le Counter-Strike de la conduite. La référence. Parfaitement équilibré, incroyable d'efficacité et d'intelligence. C'est le premier épisode portable à offrir des courses en réseau, en Wi-Fi, avec le monde entier. C'est pas un dieu de la course qu'offre cette cartouche à la console, mais une déesse de la conduite. Il est acquis, hein, le toutou, hein? Allez, viens voir ton papa. Oui, viens voir papa, mon coca. Ne vous laissez pas attendrir par ces petites boules de poils virtuels. Vous avez sous les yeux les prédateurs les plus redoutables des Tamagotchi. Avec Nintendogs, la simulation d'animal virtuel de compagnie franchit un pas de géant. On donne des ordres avec la voix, on joue, on gratouille avec le stylet, on donne le bain, le miam miam, on ramasse le caca. Bref, c'est complètement régressif et fascinant à la fois. Le vrai risque, c'était juste de se faire interner à force de donner à voix haute des ordres à sa console. Assis ! Assis ! Mais non, mais assis ! Lumines, c'est un peu un Tetris musical. Et ça n'a rien d'étonnant lorsqu'on sait que c'est un jeu de Tetsuya Mitsuguchi, le créateur de Rez ou de Space Channel 5. Le but de la manœuvre est simple, il faut réunir 4 blocs d'une même couleur pour le passage du laser. Le regarder, c'est peu inspirant, mais alors une fois la console entre les mains, c'est un jeu d'enfant. Pour la petite histoire, alors que Sony avait réussi à arrêter les hackers de la PSP avec des mises à jour, Lumines, lui, introduit une nouvelle faille de sécurité. Une fois la nouvelle répandue, les ventes du jeu auraient augmenté de plus de 5000% en un seul mois. Le plus beau des plans en marketing jamais inventé. Mes petits amis, c'est le lancement en France de la série Lost, les disparus, hein, des rescapés d'un crash d'avion qui tentent de survivre sur une île mystérieuse, déserte, avec du suspense, des rebondissements, du surnaturel, et puis surtout des manipulations à vous retourner le cerveau. Et en plus, c'est une des premières séries à utiliser vraiment le système de flashback. Si Lost avait son personnage de rockstar avec Charlie, eh ben nous, dans le jeu vidéo, en 2005, on pouvait tous devenir des rockstars grâce à Guitar Hero. Tout le monde pouvait sentir battre le cœur de la jungle avec Donkey Kong Jungle Beat et tout le monde pouvait se retourner le cerveau avec le nouveau jeu de l'ami Tim Schafer, Psychonauts. Les Hendrix, les Van Halen, les Steve Vai, on les avait tous sous les yeux depuis longtemps et pourtant, personne n'avait encore misé un copec sur les super-héros de la gratte pour faire vibrer le jeu vidéo.
Il aura fallu attendre 2005 aux États-Unis et 2006 chez nous pour qu'enfin les gros manches comme moi se transforment en funambules de la gamme pentatonique. Contre toute attente, ce karaoké rock avec les mains cartonne et donnera naissance à une longue lignée d'instruments en plastique de plus en plus classe. Très inspiré de Spinal Tap, le rockumentaire de Rob Reiner, Guitar Hero a pour lui un humour génial, sans nul autre pareil. Fini le rock'n'roll crasseux qui sent le soufre et les filles faciles de Guitar Hero, bonjour le grand air et les odeurs de transpiration de Donkey Kong Jungle Beat. Un an après Donkey Konga, nous étions quelques-uns à posséder une belle paire de Konga, sans trop savoir comment la recycler. C'est alors qu'est arrivé Donkey Kong Jungle Beat. Dans ce jeu d'action plateforme, vous contrôlez votre héros en tapant sur les percus en plastoc. Bon, on va pas se mentir, c'est pas le jeu le plus précis du monde, hein. Et puis, le Konga, c'est vraiment l'accessoire idéal pour se friter avec toute sa famille, hein, tellement ça prend la tête et ça fait du bruit. Mais peu importe, c'était super gonflé de proposer un jeu pareil, et puis, ça donnait la banane. Et ça, c'est pas rien. C'est pas ici que nous allons vous apprendre les super-héros, les mutants et tout ça. Hein. L'adolescent qui se cherche, qui se sent rejeté, qui découvre la vie, ça va, ça vous maîtrisez. Avec Psychonautes, nous sommes exactement dans ces problématiques, et c'est jouissif. Vous incarnez un petit bonhomme différent des autres, qui a des pouvoirs psychiques, et qu'on envoie dans un camp de vacances pour les enfants différents des autres, qui ont eux aussi des pouvoirs spéciaux. Après Monkey Island, Day of the Tentacle, Grim Fandango, Tim Schafer signe un jeu barré, drôle, émouvant, avec des accents philosophiques et une mécanique de jeu implacable. Encore un jeu vidéo qu'on garde en mémoire pour ne plus jamais le quitter. Quand je pipe que dalle, plutôt que de dire de la merde, moi ce que je fais, je dis « c'est pas faux ». Comme ça, je passe pas pour une buse. C'est pas faux ? Ouais. Ah ouais ? Quand les mobs sont espacés et qu'en plus c'est des casters, évidemment, ça rend le tanking bien plus chiant que dans d'autres instances, hein, c'est clair. Bah ouais, c'est pas faux. Bah, un peu, tiens. Et là, le gars, tu sais ce que je lui dis droit dans les yeux ? Eh bien, pauvre, même si tu focussais, tu tiendrais pas à l'agro ! Oh, le con ! Ah ouais, ouais, c'est pas faux. C'est comme de préférer jouer au clavier à la souris plutôt qu'à la manette, hein. C'est pas faux. Non, sérieux, sans déconner. C'est manette que vous comprenez pas ? Des séries télé en format court, on découvrait une série qui allait devenir absolument culte, Kaamelott ! Alexandre Astier revisitait l'histoire des Chevaliers de la Table Ronde et le jeu vidéo de son côté ouvrait la boîte de Pandore avec notamment World of Warcraft. Wow ! Il en aura généré du postillon, il en aura fait couler de l'encre, de la sueur et un sacré paquet de pognon aussi. Voici World of Warcraft. Ce jeu de rôle en ligne massivement multijoueur arrive après Warcraft 3 et en reprend l'univers. À son apogée, il pouvait se targuer d'avoir pas moins de 12 millions de comptes actifs avec à la clé le titre du MMORPG le plus fédérateur dans le Guinness des records. Et oui, World of Warcraft a quand même réuni 62% des joueurs de ce style. C'est d'ailleurs avec lui qu'on a commencé à parler sérieusement d'addiction. Mais que voulez-vous, face à une telle fréquentation, pas étonnant qu'il y ait eu quelques débordements dans les comportements de certains joueurs. Lui aussi dédié au multijoueur, mais dans des proportions bien moindres, voici Force Words Adventures, l'épisode de la légende de Zelda qui se plie en quatre pour nous faire plaisir. Plutôt bien foutu, cette aventure introduit deux nouveautés fort sympathiques. La première est d'utiliser la Game Boy Advance comme manette grâce à la magie d'un câble spécial. Et crac, c'est pour qui l'argent de l'accessoire ? Et la seconde est de pouvoir jouer à 4 en coopération sans écran splitté. Et en cas de scission du groupe, me direz-vous ? Eh ben l'écran de la Game Boy Advance prend le relais le temps de l'incartade. Habile ! Pour éviter la zizanie, cependant, les joueurs doivent rester groupés, la progression nécessitant des actions coordonnées. Doublement habile ! Et puisque nous sommes dans les 4, voici le quatrième et malheureusement dernier épisode de la série Oddworld. S'il en a gardé l'univers et l'humour, la fureur de l'étranger est bien loin des mudokons de la 2D de Ebb et de la 3D de Munch. Ici, finit la plateforme. Nous entrons dans un jeu d'action-aventure déjanté, dans lequel il faut aider un chasseur de primes très mystérieux à honorer des contrats. Le but est d'accumuler une somme rondelette en vue d'une opération chirurgicale importante. Exceptionnellement beau, ce dernier épisode est aussi musclé que décalé, notamment grâce à ses armes aux munitions vivantes et autres trouvailles désopilantes. Du
temps des fiers guerriers, le fait d'armes était la seule façon d'accéder au rang de héros. Hein. Et nous autres, dans le jeu vidéo, nous avons su redonner ces lettres de noblesse à cette vieille pratique à travers le culte du high score. En 2005, cependant, est créée une plateforme qui va permettre à tout le monde, n'importe où dans le monde, de devenir célèbre. Cette plateforme, c'est YouTube, créée par trois anciens de chez PayPal. À partir de là, tout le monde va pouvoir se filmer et partager ses exploits sur la toile avec la terre entière. Je viens de voir Jean-Claude Van Damme à la télé, là, dans Bloodsport. Bon, c'est facile, ma foi, tout le monde peut le faire. Hein. Je vous apprendrai comment faire dans mes tutoriels avec mes vidéos. Alors, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, hein. Je compte sur vous. À bientôt, les petits amis.